Atteinte en plein jour d'une balle à la tête et au cou par des talibans à la sortie de son école à Mingora dans la vallée de la Swat, c'était mardi dernier. L'adolescente est toujours entre la vie et la mort, même si son état semble s'être légèrement amélioré. Malalai Yousufzai, une Pakistanaise de 14 ans, cible privilégiée des extrémistes, a quitté l'hôpital de Peshawar pour être transférée dans une unité de cardiologie d'un hôpital militaire de Rawalpindi, non loin d'Islamabad. Mercredi, les chirurgiens avaient réussi à extraire l'une des deux balles de son corps sans pour autant crier au triomphalisme, car la jeune fille reste toujours inconsciente à cette heure, certaines parties de son cerveau ayant été atteintes. Depuis, la militante anti-taliban, dont l'agression a provoqué une onde de choc dans le pays, est parvenue à bouger les bras et les mains. Ses chances de survie seraient de 70%.